suis ravie de passer ce moment avec vous. Je vais juste repasser la parole à la personne qui a donc organisé ce concert ici, le pasteur de cette église, pour le petit mot de conclusion. Merci, moi je pense pas que ce sera moi qui conclurai parce que je voudrais que Denis me rejoigne et je voudrais vraiment vous remercier. Vous nous avez ravi le cœur. Hein, et j'aimerais avoir quelques mots d'explication sur comment est-ce possible en si peu de temps. Vous avez passé combien de jours avec eux et comment que ça se passe dans le concret? C'était pas peu de temps, c'était beaucoup de temps parce que quand même ils ont réussi, ils ont mis 7 jours. Hein. 7 jours pour apprendre ce spectacle. Il y a 7 jours, je vous dis la vérité, ils ne savaient rien du spectacle en arrivant dans le camp. Voilà. Une belle et bonne façon de passer ses vacances. Alors vous allez maintenant partir sur les routes. Voilà, donc aujourd'hui c'était la première, merci de nous avoir accueillis, puisqu'on savait qu'il allait pleuvoir, c'était mieux de chanter à l'intérieur de toute façon. Demain nous serons à Célesta, centre-ville, il y a un podium couvert, donc on sera là. Après demain à Ribeauvillé, si vous connaissez le cirque, je ne sais pas comment on appelle ça, le théâtre de verdure. Ensuite, jeudi nous serons à Wissembourg, tout au nord, et nous terminerons par Haguenau samedi. Vendredi. Ok, on va faire un peu de lumière dans la salle. Et j'ai sous le bras une corbeille, un plateau qui va passer au milieu de vous et dans lequel vous allez mettre ce que vous voulez évidemment. Mais on aimerait les encourager par une offrande d'amour pour eux. Vous êtes d'accord? Alors, il me faut simplement un volontaire. J'ai absolument désigné personne. Et comme j'ai du mal à voir, il est là. Allez, un des jeunes là, du groupe de jeunes. Ah ouais, finalement. Voilà. En fait, il y a quelqu'un du groupe de jeunes de l'église ici. C'est parfait. Élise va passer au milieu de vous. Et vous pouvez les encourager ainsi. Une deuxième personne, alors on a trouvé un chapeau. Allez, un deuxième, un garçon. On peut leur demander.